Tu es peut-être un lettré, ok? Tu as passé tout le temps à répéter les cours pour enregistrer, ok? Sans toutefois comprendre là où le cours voulait t'emmener. Hein, tu comprends un peu. Moi, je n'étais pas à l'école. Vous passez le temps, vous sortez avec les filles de Facebook. Oui, les filles d'un même rayon qui se connaissent. Hein? Non, c'est. Attends, laisse-moi finir d'abord de partager ça parce que. Partagez-moi ça, mes gens. Si vous ne partagez ça pas, je coupe mon direct, je mange ma nourriture et je regarde mon match. Voilà. Abimte. Maintenant, je ne vous demande pas les étoiles. Je ne vous. Je ne, ça dit ici, il n'y a rien. Ok? Voilà. Donc, respectez ma salive. Parce que je passe le temps à dire des choses ici. Et après, tac, le temps nous donne toujours raison. Que l'Église avait raison. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais vous partez ailleurs. La marque des marques, big up, big up, big up, big up. C'est comment? Partagez, partagez le direct. Moi, quand j'ai déjà 20 partages, c'est bon. Les gens qui sont abonnés sur ma page, ce ne sont pas les gens qui sont venus pour détester les gens. L'Afrique de l'Ouest est bombée, 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 bombée. L'Afrique de l'Ouest est bombée ici. Il faut que je vous rappelle ça. Ça veut dire, même si j'ai fait un direct avec zéro personne, mes directs sont encore plus vus en différé, plus visités. C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand vous dites que les gens, les abonnés, mes directs vont encore plus vite en différé. Comment? Oui. J'ai pas le genre de soutien que oui, les gens vont mettre dans les groupes et qu'on sort. Non, 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 non. J'ai les petits gens qui partagent mes directs. Quand il y a 20 partages, je fais mes directs. Quand j'ai fini, il y a au moins 4 000 personnes qui ont regardé. C'est beaucoup. Hein? Les gens qui viennent là, qui viennent partager tout simplement parce que j'insulte les gens que ça n'aime pas. Non, je ne considère pas ça. Je considère pas ça. Je suis pas bête. Je vous le dis. Donc, partagez mes gens. Kabni. Kabni, Kabni, oh, Kabni. J'étais en mission à Paris. Je suis rentré Carrefour Pléel. Voilà, Carrefour Pléel. Toujours pour les Jeux Olympiques. Hein. Voilà. Partagez, mes gens. De Komamougou. Abanabe capture d'écran. Abanaba ceci. Oh, vous êtes tellement minables dans vos têtes. Et suis le saint de Komamou. Vous tous là, vous êtes passés ici. Ici. Minbese. 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 Ouais. Mais Minkonto peut maintenant combattre tout seul. Tout seul. Vous ne me connaissez même pas. Là, il y a 3 partages. Et anormal, j'ai suivi quelque part là que beaucoup de Lomagnans sont allés au Canada. Là. Et lorsqu'on annonce ça, il faut voir le visage. Tu sens que la dépression. Beaucoup de Lolomanian sont venus s'abonner chez moi. On fuit la TV. De toutes les façons, moi, je sais que c'est comme ça que vous êtes. Vous cherchez toujours. C'est comme. C'est tous ces jours-ci, je le dis. Ce matin, j'ai dit. Vous tournez toujours, tournez toujours. Quand vous faites vos roucascas, le nom de la grande sœur n'est jamais là. Que ce soit les histoires de Brive, que ce soit. Mais vous voulez toujours, le nom est pointé de partout. Parce que vous étiez là-bas là pour rafistoler. Voilà. Et vouloir profiter du travail d'autrui.
Ouais, c'est comme ça. Mais ma biscuit, je suis celui qui suis, je suis venu sur la toile. J'ai dit, même avec deux personnes, tu peux bouleverser une élection, mes gens. OK? Voilà. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la dernière ligne droite? Hein? Quand les enfants finissent de danser, les qui dansent après. Hein? Je vois déjà des pouces là. Hein? Les pouces, là. Vous ne pouvez pas. La carte là, je vais vous donner beaucoup de sentences tout de suite ce qui va se passer. OK? Nous sommes les êtres humains. Je vais vous dire ce qui va se passer avec ce que vous faites là. Les coalitions que vous faites. Moi, j'avais déjà annoncé, et c'est les gens comme les Loulou Fodja et les Magina Kinkam que j'avais averti. Moi, je parle toujours. C'est comme si je parlais avec de l'eau bouillante dans ma gueule quand j'annonçais la couleur. Quand de comment vous annoncez la couleur. OK? Ça commence toujours. Toujours, toujours, toujours. Quand je pointais du doigt, moi je vous ai dit, c'est comme celui de Dougoutigui. Moi je ne vais plus dans son blog, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. C'est chez moi ici qu'on me disait qu'il m'a framponné. Et chez celui que, voilà, je vais tirer les oreilles là, que j'ai vu là-bas là. Ouais. Antoine Bachot, s'il te plaît, regarde, bon, moi-même mes dents sont façon. Oui, comme tu as insulté mes dents là. Mais toi-même, regarde tes dents. Tes dents. Quand il dit c'est comme les dents de lézard, est-ce que tes dents hein, inférieures là, ont la même taille? C'est comme ça, c'est comme des bindis épingles. Hein? Est-ce que tu vois, même au niveau de tes lèvres là, tu vois quand on coupe le tarot? Pour tremper dans la soupe jaune. Tu vois, c'est comme ça que tu es. Toi, Antoine Bachot, tu ne dois même pas insulter un autre homme, qu'il est laid ou bien il est mal formé. Parce que, regarde-toi, bon, attends, laisse-moi d'abord finir mon travail. Je vais te conjuguer parce que le bien est sot. Lui, c'est un moribond. Il est comme ça là. J'avais compris quand elle avait invité Ducamer, hein, faire un gros festin, hein, pour manipuler Ducamer de framponner la mère de ses enfants. J'avais eu pitié de lui. Il est comme ça. Voilà un homme qu'on a arraché sa dignité au Canada. Il a fui ici comme un rat palmiste. C'est à distance qu'il veut venir faire les histoires de tribunaux. Et voilà. Voilà, ça vient profiter de nous les blogueurs pour salir hein, les ex. Je ne sais pas, c'est mal à la Togolaise, il faut voir. Hein? La femme, elle a arraché ta dignité, tu es déjà là derrière, hein? Tu raques les murs. Hier encore, tu partageais les dires de cette église ici. Hein? Tu disais que oui, de Kobamougou, c'est quelqu'un de valeureux. Toi, le bien est sot, tu ressembles à un criquet. Moi, je te mens pas, un Mbassana. Il dit que tu es un pauvre petit moribond, tu dis que tu as fait des études. Ta façon de te se comporter là, c'est digne d'une personne, voilà, qui a fait une carrière scolaire de 25 ans. Ta réflexion là, regarde comment tu te comportes, on te lit très vite. Il veut même pas un peu, je laisse un peu d'abord Kimbo Jimbo, je parle toi. Apparemment, on dit que tu es ingénieur. Tu as fui le Canada comme un rat palmiste. Toi, tu crois qu'une femme peut me faire fuir un pays? Non. Ça veut dire, la Française elle-même, je la compte dans son propre pays. Vous avez vu là sur Facebook? Elle est venue à Boaé là. Je montre l'argent devant vous. Elle prend ça là. Elle va dans les bureaux certifiés. On me compte. Je suis là-haut. Là. Toi, le bien est sot. Tu es comme ça, en un manakourouk.
Tu comprends? Tu as dit, tu es tellement minable. Je te dis la vérité. Je te parle homme-homme. Homme-homme. Tu comprends? Voilà, une femme ne peut pas me faire fuir mes responsabilités. Tu comprends? Tu vois, regarde comment tu marches. Tu fais pareil comme ces femmes-là. J'aimerais savoir vos bains de minuit que vous faites dans les e-box. C'est ça. C'est le comportement là que tu demandes. C'est sûr que dans les e-box, OK, comment toi, monsieur l'ingénieur, qui doit passer le temps à réfléchir comment ingénier, tu es tellement derrière, hein, les bilans de ces femmes-là. Non, mais attends, laisse, je mets ça d'abord là où je veux. Parce que trop, c'est trop. Je vous dis, vous qui dites que vous avez fait des carrières scolaires de 25 ans, quand vous venez dans notre bout là, nous qui n'avons pas été à l'école, hein, les parents n'avaient pas les moyens pour nous envoyer à l'école. OK? Mais calme, gars. Vous allez trouver des rochers comme les comme amour. C'est moi qui vous dis ça. Et vous savez pourquoi elle vous dit ça? Parce que vous ne pouvez rien me donner. Ah, rien. Rien. Et vous ne pouvez pas m'insulter avec vos carnets scolaires de 25 ans. Regardez donc alors. Toi, tu es là. Le bien est sous. Hein? Parce que. Tu vois ce qui se passe. Hein? Hier encore, tu faisais des bons posts. Hein? Tu es venu ici raquer les murs. Hein? Tu partageais les directs de l'église. Parce que. Il n'y avait pas encore fâcherie, tu comprends? Et toi, tu n'as pas cherché à savoir, hein? La faute vient d'où? Maintenant, tu commences à framponner mon église, comme Bachou, tu comprends? Voici nous, d'abord, et langue, tu comprends? Non, j'ai compris que tu fuis le Canada. Ça veut dire, tu fuis, tu nous vis. Oui, parce que tu as beau ça en France, hein? Non, 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 tu n'étais pas venu ici en catholique. Hein, tu comprends un peu? Je continue à vous dire, vous êtes là sur la toile. Vous qui venez dans notre merdier, c'est moi qui donne la ligne de conduite. Ici, c'est le fou, OK? Les enfants des cours communes. OK? Donc, si vous venez là, vous dites que vous êtes des illettrés. OK? Apprenez-nous à bien se comporter. OK? Sensibilisez-nous. Est-ce que tu comprends un peu? Toi, maintenant, là, tu es derrière ces femmes-là. Tandis qu'on traite de plaisir à moutre. N'est-ce pas? Toi, au moins, tu as fait des études, hein? Des études, OK? On crée le président Maud, mais toi, tu règnes un sous-marin. Vous êtes comme ça, là, les présidents Eboué Lamé de l'Allemagne, si c'est Eboué là, si c'est qui là? Vous êtes comme ça, là, vous partez toujours, toujours beaucoup Nagouro. Vous êtes des patates du même sillon. Il faut donc alors voir celui de Baya parce que il veut d'abord vous prendre une heure, vous là les deux là. OK? Monsieur Foudia, il te met là-dedans, hoha. Propre! Il te met là. Ça dit dans le clan de Baya. Voilà, le bien est sot et Agnès, Anouama, Agnès. Agnès, et c'est pourquoi Agnès? Dis-moi un peu, parce que il y a une bande d'hommes là qui sévit là sur la toile, ils ont les noms des meufs. C'est quoi, hein, nous, vraiment, le bien et sot, le bien, ton comportement là, tu comprends? Normalement, ton nom là, tu devais être neutre, tu comprends? Avec tes études et ta carrière scolaire de 25 ans là, tu comprends? Voilà, tu essayes un peu de temporiser, hein, les petits soucis. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le parti pris. Parce que celle qui s'occupe de tes enfants, tu comprends? Qui t'avait ravi la vedette, qui t'a fait fuir au Canada, tu es venu ici comme un rat parmi qui circule en plein jour. Et tu sais très bien le bien sot. Un rat parmi qui circule en plein jour, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, quand j'étais petit, quand on venait annoncer qu'on a vu un rat parmi, on se posait des questions que qui va décider. Le bien est sot. Est-ce que tu étais arrivé ici en France en catholique? Non. Non. Comment elle s'appelle sa femme là? Comment elle s'appelle sa femme là? Hein? C'est une femme, voilà, tu sens que oui. Hein? Vous voyez des moribonds comme ça là, vous voyez celui-là. Hein?
Avec ces pantalons pèse les culs de Barbès là, Bazoukane, ben ingénieur, vous êtes que les ingénieurs. Hein? Si c'est comme ça, hein, dans vos bureaux, vous réfléchissez dans vos ordinateurs, c'est que, hein, Miaboua, à Facebook. Oh, le bien est sûr. Anetinda, à vie. À vie. Va voir comment Rem Biayi se moque d'elle. Va écouter là-bas, là. Ça veut dire, tout ce que de Koma Mougou dit ici, ça ressort dans leur baf. Oui. Elle a pilé le Lomagnan. Oui, elle a pilé le Lomagnan. Hein? Quand on dit toujours que vous allez voir à Facebook Mouna, on vient même toucher le pasteur. Tu comprends? On vient même toucher parce que quoi? C'est moi. Parce que vous, quand vous y avez le discours, c'est que quoi? Non, le pasteur a un bon fond, mais, tu vas là-bas à Paris. Hein? Est-ce que je vous ai dit que le pasteur est mauvais? Ta, 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 ta. Sachez que, comme on sait que je soutiens beaucoup de personnes là, même les grosses têtes, il faut contourner jusqu'à sorte que on y a les discours ici. J'ai appris beaucoup de Lolomagnan. Et quand ça annonce ça, il faut voir le visa de la reine mère biolo. Bien sûr, tu as fait des études, tu peux détecter, tu comprends, quand quelqu'un annonce une chose, c'est-à-dire parce que dans une dépression, tu comprends, je vais vous dire la vérité. Attendez, je mets d'abord ça chez Tata Aline. J'ai envoyé en Côte d'Ivoire, au Gabon et autres. Voilà, maintenant j'envoie chez nous, j'envoie chez la Lyon. Oui, je peux pas vous laisser. Hein? On insulte les femmes là ici sur Facebook. Oui. L'autre, on dit qu'il est maçon. Oui, il est maçon. Toi, tu es ingénieur. Pour Mangata, il faut laisser. Apparemment, femme chômeuse, mari chômeur. Est-ce que tu comprends? On laisse un peu. Mais vous là, Abantoine Bachot, ingénieur. Pour vous, c'est terminé toujours en queue de poisson. Attendez. Mais là-haut, là, vous croyez que moi, je peux vous laisser? Hein? Je peux vous laisser? Et j'entends là, oh, ab perte d'audience, ab ceci, ab cela. Oh, moi, mon niveau que je suis là, je suis une église. Vous savez très bien, beaucoup fuient l'église, mais l'église est framponne. Là, je vous dis là, je vous annonce d'ici 3 jours, hein, nous sommes à 17K. Ça coulisse. Il n'y a aucun. Bande de rêveurs. Je continue à dire, je conjugue la femme de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Surtout, celles qu'on est parti prendre au pays, qui sont arrivées ici, les arabes mariages forcés ou arabes ceci ou. Est-ce que vous comprenez un peu? Et que Sarkozy a mis, pac! Beaucoup se sont retrouvés dans les appartements. Elles ont les bulletins de paie, des contrats. Elles ne savent ni lire ni écrire. Oui. L'Afrique de l'Ouest, c'est ça. Mais vous êtes ici, yougou. Camion rouge de Ngossa, biga, partagez le direct. Hein. Ce qui va sortir de ma bouche, là. Mais calga. Bipez-moi, bah, et tout bas facile. Le reste là, il ne calcule pas aujourd'hui. Voilà. Ce qui disait hier que ça ne peut jamais être que Tinda, et au jour d'aujourd'hui, ça conjugue le tindaïsme. Tant pis, je ne les conjugue pas. Ok? C'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Ok, je suis un leader, j'ai une enceinte, l'église, voilà, du pasteur supérieur. Ça fait 6 ans, 6 ans,
Je suis ancré sur Facebook. Ok? Si j'étais un moribond, je serais encore ici. Vous connaissez quand les abeilles m'ont pris ici? Hein? En 2018, vous avez vous attendu aller demander à Baya que je veux prendre là. Fille de l'Ouest, l'Ouest, big up, big up. Yugu, yugu, je te dis qu'en ben, yugu, 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 yugu. Je vois ça fait des posts. Voilà. Ça veut dire, ça vient faire une capture d'écran quand je commence mon direct. Vous savez que ces gens-là, donc, ben, là, mina, là, milliardaire, big up, big up, big up, big up. Ben, voilà. Comment tu peux venir faire une capture? Je vais vous dire, vous êtes tellement bête. Comment vous venez faire une capture de Dekomamougou à plus de 22 heures? Hein? C'est-à-dire, même pas 5 secondes, vous capturez. Il n'y a même pas encore un partage. Vous partez comparé à Nowama, la honte de ça. C'est pour ça qu'on vous dit, pour vous, c'est les vues et les étoiles, la monétisation. Vous voyez pour vous. Hein? Donc ça veut dire, vous voulez même y comparer de Komamougou au Moucheron. Hein, ou alors Moucheron. Hein, des personnes attendent enlever. Là, demain, j'ai fini à midi. Si je veux, j'ai demain ma vieille ferraille. Bah, je vais à Paris. La personne, vous êtes ici là. Il va venir vous rendre visite quand Anouama. Laissez-moi partager. Je vais prendre deux hommes là sur la toile d'abord. Lolo Hélène, big up, big up, big up. Voilà. Partagez mes gens. Voilà. Moi, j'ai dit, vous les Lomagnan là, la seule chose que moi, je peux vous dire et que j'ai toujours dit, ok? Voilà. Si vous aimez vos cristals, hein, battez-vous pour vos cristals. Vous voyez, non? Vous voyez? Apparemment, Canada, vous êtes parti vous abonner là-bas, là, comme ça, là. Elle a dit, oha! Non, c'est Lévis, c'est Lévis, c'est Lévis, c'est Lévis, c'est Lévis. Naomi Cress, big up, big up, big up, big up, big up. Nga des situations, bebele à nous, ma. Nga des situations. Bonjour, passe. On un femme. Ben non, moi, je suis un monsieur. Ok? Les gens ne savent pas. Regardez. La métisse là, quand elle avait contourné que oui, hein, je ne dois plus prendre l'enfant, je suis venu pleurer sur Facebook. N'est-ce pas, je pouvais aussi aller voir les gens que, bon voilà, je suis resté calme. Moi, je vous dis, ma mère nous a élevés toute seule. Ok? Moi, je ne peux pas discuter un enfant à bas âge avec une femme. Non. Si tu veux beaucoup de danger, je reste dans mon coin. Si tu m'accordes, si tu prends, voilà. Oui, quand j'ai de quoi donner à l'enfant. Au moins, si tu prends ça, moi, je suis content. Parce que c'est que oui, le temps va régler ça. Vous croyez que moi, je vais venir chercher ma vie ici. Hein? Et je me mets dans les tribunaux. Vous connaissez les histoires ici, les enfants dans les tribunaux? Hein? Parfois, tu peux rater ta semaine de travail. Parce qu'il faut nous caler, il faut nous caler. Il faut réfléchir. Fais tout et pour tout. Même quand ça ne va pas. Du moment que ça accepte quand même, si tu donnes quelque chose à l'enfant. Il y en a d'autres que ça ne prend pas. Hein, pour te salir en même temps. Il y a d'autres qui prennent. Et vous comprenez un peu. Pourquoi que moi, de Komamougou, j'ai un mongo. J'attends. Vous avez vu avec comment moi j'avais tué l'histoire là. Hein? Vous-même, attendez, j'ai fini. Hein? Je vais vous parler, mes gens. Je veux plus parler d'Antoine Bachot. Voilà. Je veux plus parler de lui parce que il vient chaque fois vouloir manipuler. Quelqu'un que je ne fréquente pas, je ne peux pas dire que c'est mon ami. Mais nous avons Abomboum Facebook et consort. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais lui, il croit que comme ils disent que lui, il parle bien, il s'exprime bien, ils peuvent manipuler les gens.
Attendez, mes gens. Bassu, il veut te tuer aujourd'hui. Ouha. Et je te dis, je veux mop d'Adès Bapa. Tu vas prendre ça, tu vas mettre sur ta page. Tu comprends? Mets ça derrière ta nuque. Je dis, Nadej Bapa que tu vois là, je veux prendre Nadej Bapa comme ça là, devant vous, comme ça là. Tu vas couper ça. Tu mets. Tu vas mettre que ça sur ta page. C'est moi qui te dis ça. Comme vous êtes là, yougou. Hein? Des hommes qui discutent des potages slip avec des femmes dans les magasins. Hein? La qualité d'homme quand il y avait le Covid ici là. Hein? Tac. Hein? Les potages slip, c'est-à-dire les femmes, c'est du chuté. Vous du chuté. Oui. Vous, les femmes, à un seul clou. Vous du chuté les garnitures dans les magasins. Hein, vous allez dans les pharmacies, au lieu d'acheter les produits hein, des hommes, c'est toujours pour les femmes. Vous voilà, le bien est sauf. Toi-même, on a arraché ta dignité là-bas, là, au Canada. Tu es venu ici comme un rat parmi. Regarde ton comportement. T'en fais partie des personnes qui ont sali du camel ici, là, sur la toile. Le festin de ça, pour manipuler du camel, pour que ça continue à crier sur la femme. Vous voilà. Les bachots, les... Celui-là, l'autre lui ne parle pas. Hein. Ça dit, il fait ça au silence. Fouja. Vous voilà. Des patates du même sillon. Oui. Toi, le bien sou. Regarde comment tu te pavanes là sur la toile. Hier encore, tu étais là. Écoutez le maréchal. Le maréchal est ceci. J'étais soutenu ici sur l'histoire de tes enfants. Le bien sûr. Voilà. La plupart des gens que j'ai eu à soutenir, hein, ça veut dire, voilà ça. Même sans problème. Qu'est-ce que j'ai fait à ces moribonds-là? Quand vous voyez le bien sûr, avec ses pantalons pinces-là, avec des traits comme des queues de varan. Ok? Parce que quoi? Je suis en guerre avec qui devient vulnérable, qui se ridiculise, mais il préfère me faire un pouce. Ok? Il préfère me faire un pouce. Le bien sûr, tu sais, tu es un, ça dit, un minable personnage, Makaroa. Tu comprends? Avec ta tête là comme la tête du criquet. Ça, c'est une vérité. Moi, je ne te manque pas. Si tu n'as pas l'argent, une femme ne peut pas t'aimer. Je te dis ça donc alors. Si tu n'as pas l'argent, les histoires pantalon pince que tu mets là, hein, avec des chemises classiques, des barbes là, je dis si toi tu n'as pas l'argent, les femmes d'aujourd'hui, ça dit binga bechoudi. À part les rêveuses là qui aiment, qui adorent les cravates en coupe matière des consorts ou faux cul là. Quand je te vois, tu es comme un mec à mère, toi le bien sûr, patate du même sillon. Parce que j'ai mis un peu Kimbo Jimbo de côté parce que il y a une fois Lulu, Mundjongo, ça veut dire lui-même il est contourné par sa propre philosophie. Ouais. Je ne peux pas vous conjuguer comme des hommes. Le bien est sur Basho, je ne peux pas vous conjuguer. Hein? Oui, dans le couloir des hommes. Je mets ça après, je fais écouter tes bêtises là. Toi, Kimbo Jimbo, tu vas comprendre derrière ta nuque. Ah non, ma Claude Akama a déjà pris. Claude Akama a déjà pris, ça s'appelle, Boru Sangui. Tu vas lire l'air avec Claude Akama. Claude Akama, des malchanceux comme ça, là, des profiteuses. Hein? Ça veut dire, d'autres personnes travaillent, vous voulez venir profiter hein, à nos wama. Hein? J'ai pris les Lomanyang Oua. Les Lomanyans, c'est moi, j'ai dit, Minenala, bande de minables, les Tinda,
Tchinda, oh, Tchinda, rien mais bio, Tchinda, je te manque pas. Avec ton front là comme le galion, ta nuit comme la petite race de singe là-bas, le Nungende. La honte de ça, on peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Hein? C'est quelle minabilité? Hein? C'est quelle minabilité? Une vieille peau comme ça là. Hein? Le bien, si on vient me faire le poste, parce que quoi? Hein? Attendez, vous allez lire. Mais là, voilà. Regardez-moi deux hommes. Antoine Bassio, dès que je prononce ce mot, Nadège Bappa, il veut me tuer. Il veut me tuer. Hein? Dès que je prononce ce mot, Nadège Bappa, tu veux me tuer. Hein? Tu veux me tuer. Non, non, Nadège Bappa avait dit que ça ne peut plus. Hein? Aussi femme, tu n'es pas un homme. Attends. On va là-bas, là. Comme tu veux jouer la berlue, tu veux beaucoup te justifier, tu dis que oui, tu fais une petite vidéo pour me répondre. Tu comprends? Je n'ai jamais dit que je suis ton ami. Tu comprends? Je ne suis pas bête. On se connaît où? On se connaît où? Qui a commencé à appeler l'autre Kumbum? Tu es venu vers moi pour avoir un soutien. Ça, tu comprends? Voilà, tu avais tes télévisions là. Hein? Donc pour toi, aujourd'hui, tu veux faire comprendre aux gens que tu avais pris, hein, quelqu'un de bête pour être chroniqueur. L'actu vu par des Komamou dans ta TTV. Hein? Non mais disons, de Komamou. Parce que tu dis que oui, attends, il faut que les gens t'écoutent avant que je commence à parler. Parce que. Tu ne peux pas, du camé, t'as dit l'autre jour, parce que je vais encore faire réécouter là où du camé t'es mort ou pas. Tu comprends? Parce que tu crois que tes citations, tes tics que tu fais là, tes citations, tu éblouis les gens. Non. Tu comprends? Je connais les gens qui n'ont même pas fait, hein, la sixième. Mais lorsque ça écrit français, parce que. C'est les gens que, oui, quand on fait les défis au quartier, et ils partaient lire les petits Robert, Larousse, pour prendre les gros mots pour venir nous finir. Voilà, au quata. Tu es comme ça, la Bachot. Je ne te prouve pas A plus B que tu n'es pas un homme. Tu comprends? Parce que si tu étais un homme, hein, imagine, toi, le coup que tu m'as fait. N'est-ce pas? Les gens vont écouter. Les gens vont écouter. Et après, tu comprends? Les gens vont écouter. Les gens vont écrire en commentaire. Si on peut vraiment. Parce que hein, nous sommes là sur la toile. Si toi, on peut te trouver crédible. Tu es dans tout. Hein? Tu es dans tout. Dans tout. Dans tout, dans tout. Dans tout. Attends, je veux te montrer. Tu veux te justifier. Parce que ces jours-ci, Nadège Bappa, le soutien de Komamou, tu ressors. Attends. On est. Le type devant Tu vois? Tu as déjà mis Nadège Bappa. Regarde. Regarde, tu as déjà mis Nadège Bappa. Tu dis que tu le t'as. Regarde, Allô? regarde, là, oui, allô, Pasto, bonsoir. oui, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va, ça va. Oui, j'interviens là parce que je voulais vraiment te t'apporter mon soutien Si, avec tout ce merci. qui se passe là. Merci, Mais merci. je ne comprends pas cette dame
Dalouala, je ne sais pas ce qu'elle veut prouver aux gens, je ne sais pas ce qu'elle veut Non, montrer aux gens. non, parce que quoi, si les autres sont intelligents ou alors intelligentes, comprends donc, mais Daloa, ce n'est que pour sa gueule, hein, tu comprends? Oui, je Écoutez comprends. très C'est bien. des gens que j'ai Ben observés. oui, C'est pas aujourd'hui que je il y a suis. la matière, il y a Ce deux n'est fois pas aujourd'hui matière qu'on à. est. Vous qui êtes en vitrine sur Facebook, il faut comprendre que nous, on vous observe depuis des années, on regarde, on se fait des opinions. Et moi, peut-être en tant que follower, il y a des gens comme toi que j'apprécie. Le discours est clair, le message est clair. Je vais peut-être aussi offusquer certaines personnes. Il y a Marlène Mvoutou que j'ai découvert d'ailleurs chez toi, que j'ai découvert chez toi et que je suis allé m'intéresser à ce qu'elle dit, à ce qu'elle raconte. Et j'ai trouvé son discours très intéressant. Maintenant, des gens qui, comme Patricia Gemel, qui insultent, qui. Les gens qui sont au pays, là, qui sont au pays, qui payent des mégas. Ils ne payent pas des mégas pour qu'on vienne insulter les gens d'imbéciles, de cul de ta mère, de machin. On manque de respect à des mamans. Ta mère, c'est une femme que tu nous as présentée, que toi, tu nous as montrée Elle-même elle l'a félicité. Voilà. Et il faut pas aller dans la vulgarité parce que ça prouve. Vous venez, vous nous dites que vous êtes des milliardaires de Monopoly, vous venez, vous nous dites que vous avez des pavillons à gauche et à droite, vous venez, vous nous dites que vous avez des poulaillers au Cameroun, et vous avez des langages d'une vulgarité qui n'a pas de nom. Toi, tu n'as jamais insulté la mère de quelqu'un, tu n'as jamais insulté les enfants de quelqu'un. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais entendu ça. Donc, Non, je ne comprends il n'y pas. a que Luc et Boury. Oui. J'ai toujours dit, il n'y a que du Camer, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Lui-même, il sait pourquoi, n'est-ce pas? Parce que du Camer, c'est quelqu'un que moi, j'estime, même quand dans les fanfaronnements, n'est-ce pas? J'ai toujours dit, il fait comme moi, il se lève le matin. Donc, nous sommes dans le même sillon. Et j'ai toujours reproché à du Camer qu'il va plus vers des gens qui ne lui apportent rien. Tu comprends? Ça, c'était mes fanfaronnements envers lui. Bon, lui, il comprenait pas peut-être ça. Et le plus, c'est que quoi? Lui aussi, comme il était un soutien à Compressor, Mangiata et à Flore, quand j'ai fanfaronné les deux là, lui aussi, il me ramassait en même temps avec ma mère. Hein, tu comprends? Voilà. Et je lui avais dit, parce que moi, j'avais dit toujours, je lui avais dit, tout le monde peut le faire, pas toi, frère, tu comprends? Mais une fois elle avait recommencé, bon, moi aussi, je suis sorti, bon, moi, je suis sorti dans l'humour, parce que c'est que moi, je disais, c'est pas le cul que Mais voilà, c'est comme. Pasto, quand toi tu viens là, tu viens, tu nous montres une marmite de gombo bien préparée avec tous les obstacles dedans. Toi, tu ne peux pas préparer cette nourriture. Moi, quand je vois souvent les marmites que tu manges, je sais que c'est ta mère qui te prépare ça. Toi, tu viens seulement chauffer, ce n'est pas toi qui prépare ça. Donc, une Non, ça mère c'est qui cuisine s'occupe de ici. toi comme elle s'occupe de toi là, on vient mettre de la salissure parce que il faut être bête pour croire à ce Non, qui se raconte là. Il faut être il bête. ne faut même pas croire à ce que ces filles-là disent à la Mais il faut surface. être Tu bête. Il comprends? faut être bête pour croire Elles à savent ça. très bien que, tu comprends, non? Elles apprécient très bien. Mais, Béaya Bouya, il faut les étoiles. Bonsoir. Parce que Bonsoir, bonsoir. quelqu'un comme celle-là, elle sort du Canada, elle arrive à Paris, elle fait son cinéma, elle va à Kigali, elle connaît les gens, les tours du monde que nous tous on fait là, dans ce monde-ci. Elle connaît les voyages que les gens font. Voilà. Elle connaît les Luc et voyages que Boué, les gens font dans les hôtels que les gens dorment. Luc et Boué. Bon, Ok, on va encore bonsoir. accueillir. Il y a. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, Ça va? ça va très bien, merci. Je voulais Bonsoir, la sœurette. intervenir, s'il te plaît. Oui. Ok.
Je voulais parler par rapport à celle qui se dit enceinte et qui insulte votre maman. Cette Oui. fille, c'est une très grande menteuse parce que les choses qu'elle a dit, c'est Oui, c'est d'abord vrai. horrible. Elle dit que on vous a trouvé dans la cuisine en train de faire quoi? Je ne peux même pas prononcer à votre C'est de maman. n'importe quoi, c'est de n'importe Elle quoi. parle ici en Europe. Elle parle, on est ici en Europe ou elle parle dans un rêve où en Europe, on te trouve en train de faire ça et elle dit que c'est ton frère qui a appelé le SAMU. Et vous Voilà. n'avez pas fait la prison, monsieur Amougou. Hein? Et... Donc, on vous a trouvé en train de faire ça et le SAMU est arrivé et vous êtes toujours en liberté. Voilà, Vous allez voilà. travailler tous les jours. Vous n'êtes pas allé en prison. Elle vit dans un monde. T'as dit Elle dit que qu'elle vit en France. madame. Excusez-moi, je vais m'expliquer aux gens parce que je Oui, ne sais oui. pas si de qui sont sur Voilà. Facebook. Peut-être on ne connaît pas comment ça se passe en Europe. S'il y a quelque chose qui arrive et que le SAMU est déjà Voilà. impliqué, la police doit être impliquée. Voilà. Que ce soit l'école, que ce soit, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a. Quand l'hôpital est impliqué, que l'école est impliquée, la police, ce sont des gens qui travaillent tous ensemble. Voilà. Donc, on ne peut pas, donc votre petit frère ne peut pas vous attraper à la cuisine en train de faire quoi que ce soit à maman. Et on On dit très appelle bien que le le derrière a été bousillé. Ça veut dire SAMU. que Voilà. Donc, arrivé le. quand le SAMU vient, il faut qu'il Oui. sache très bien de quoi il est question. Voilà. Et Voilà, ils on vont n'a pas faire mené leur les petit enquêtes. rapport. On n'a pas mené les enquêtes. On ne vous a pas arrêté. Qu'elle a arrêté de mentir aux gens pour. Je ne sais pas, une Voilà. femme enceinte qui parle comme ça, c'est honteux. Ma soeur, C'est est-ce que tu me honteux. permets d'intervenir? Oui, papa, attends, je donne-moi encore une minute, papa, parce que OK. cette histoire m'a tellement choquée. Comment tu peux t'asseoir étant enceinte, tu racontes des âneries et personne ne réfléchit pour dire un truc comme ça se passe en France et le pasteur des femmes est toujours en liberté, il est toujours chez sa maman tout le temps, il va manger chez sa maman, il sort l'argent, il donne à sa maman, tout le monde voit, alors qu'il a détruit le derrière de sa maman à l'hôpital, on n'a pas mené les enquêtes. Le SAMU a Merci été beaucoup, madame. impliqué. C'est pour ça que je dis toujours, madame, le monde ne peut pas avancer sans vraie femme. Vous Les gens voyez ne très bien. réfléchissent pas où c'est Même comment on hier, raconte ça et on croit. Le SAMU était il y appelé avait une et femme qui on n'a pas intervenait. mené Si les j'étais enquêtes. calme, j'écoutais. On Parce que n'a pas quoi? mené les enquêtes. Pourquoi elle peut Non, ce que... mentir sur cette maman merveilleuse, cette maman travailleuse, cette maman qui a élevé ses enfants? Je parle en tant que maman que j'ai aussi amené mes enfants ici en Europe et je les élève. Et la Voilà. façon que des femmes Amougou aiment sa maman, j'aime mes enfants aussi, même comme ça. Et ce serait terrible que quelqu'un se lève un jour et dise, mon fils a fait ceci, et le Partagez le salaire. direct. Hein. Et on n'a pas mené Voilà comment les ce que enquêtes. tu dis. Ce que tu Va dis est changer. très vrai. Amène Amène les parents les témoignages. Ce que tu dis est très Voilà. vrai. Mais ce que moi, je veux faire comprendre à nos stars, à nos blogueurs de Facebook, ne nous prenez pas. Il faut respecter notre Vraiment, intelligence. Ne nous vraiment. prenez pas pour des gens qui sont bêtes. Vous venez raconter des choses, vous nous prenez, c'est-à-dire que vous nous manipulez Oh, en le nous Samu. racontant des choses qui n'ont aucun sens. Vraiment, Voilà des un histoires homme qui se horribles. lève le matin, il nous Il fait va des travailler. matinales, il nous montre qu'il part travailler, vous venez, vous dites que, oh, c'est un chaudronnier, il est sale, machin, machin. Il gagne son argent À la sueur de honnêtement, son front. à la sueur de son front. Il montre aux gens l'exemple. Que Il voilà montre à la comment jeunesse moi je l'exemple qu'il vis. faut travailler. Et Vous venez raconter des choses c'est sur les mêmes ta gens qui mère, tenaient le sur ton discours hier, frère, que sur ceci. Ça oui. n'a pas de sens. Ne nous prenez pas pour des idiots. Vous nous Vraiment. insultez. Oui, Quand on nous se déconnecte insulte. de vos pages, là, on se déconnecte de vos pages, c'est à cause des conneries que vous venez nous Nous raconter. insulte. Voilà. Le SAMU a été impliqué et on n'a pas mené les enquêtes. Vous ne Le SAMU respectez et pas les la police followers. travaillent Vous venez vous ensemble. raconter n'importe quoi. Merde. De comment Mougou peut préparer les mamies de Nouvoutou que de comment nous montre là? Ouais. Il peut préparer ça. Il te dit que... Quelle même elle se montre avec sa maman, on voit. Pourquoi elle cache leur maman? Pourquoi vous Voilà. montrez vos mamans? Qu'elle se montre avec sa maman aussi, on voit comme Dekom est toujours avec sa maman. Moi, j'apprécie la complicité qu'il y a entre Dekom Amougou et sa maman. Hein? Mougou, dès qu'il y a un problème dans Facebook, là, moi c'est mon Big constat. up, Hein. Dès big qu'il y up, a un big up, big up, conflit big là, up. machin, machin, il se retire.
il se retire. Il dit que non, 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 moi, je ne suis pas là-dedans, machin, machin. Attends, ils ont quand même trouvé le moyen. Il y a des choses que je n'ai que pas là-dedans. Non, pas on m'écoute. Elles ont trouvé le moyen. On n'a pas mené les enquêtes. Le Samuel est venu, on n'a pas mené les enquêtes de comment Mougoui sort tous les jours, il va travailler. Mais qu'elle fasse les vidéos, qu'elle fasse les lives sans filtre, qu'on voit à quoi elle ressemble. Elle met les filtres partout. Il faut que tous ces gens qui ne font rien là, qui se disent nous débarrassent la toile. On va faire le challenge, chacun va se montrer dans son lieu de travail. Challenge, montrez-vous dans vos lieux de travail avec les tenues. Non, comme elle tourne dans la voiture, elle tourne dans la voiture. C'est ça le truc. Pasteur, il faut faire le challenge, montrez-vous dans vos lieux de travail. Moi-même, je vais envoyer ma photo. Olivier, je me fous pour pique. Elle vient mentir. Oh, le Samuel. On n'a pas mené les enquêtes. Nous qui venons, on ne regarde pas la fenêtre. Patrice, vous imposez de monter dans le direct. Big up. Oui, milliardaire. Bon, maman, attendez un peu, je voulais dire quelque chose. On laisse aussi un peu milliardaire. Oui, milliardaire. Oui, bonsoir, dis ton pasteur. Merci, madame. Merci, madame. Attends, elle ne parle pas, je voulais dire quelque chose. Vous savez, la mère, je voulais dire, vous savez, la mère, vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de mentir, la liberté d'inventer. Tu vois? Et du coup, laissez chacun dire ce qu'il veut dire. Parce que pour moi, tout le temps venir rappeler qu'un menteur est fort. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la vie familiale. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu la vie familiale. Parce que la vie familiale, c'est un truc sacré. Personnel. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on conserve. Parce que je pense que pour toute personne qui a grandi au milieu d'une famille où ils ont connu l'amour, les disputes, tout ce que vous comprenez quand on dit une vie de famille, c'est des gens qui savent comment se tenir en public. Ma future. Big up. Pour moi, venir tout le temps et dire que non, elle manque, ça va révolter beaucoup de personnes qui vont. Non. Attends, je finis. On sait tous que ce qu'elle disait, c'est du mensonge. On sait tous que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du mensonge. C'est une grâce de vieillir comme pasteur et d'avoir encore sa mère vivante à côté de lui qui prépare, il mange. Et c'est une fierté pour sa mère de préparer pour pasteur. Elle mange à son âge. Il y a des mamans qui ne connaissent pas ça. On a vu la mère d'Arafat jusqu'à présent, elle pleure son fils. Qui est mort à 33 ans, elle le plaît jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est des sujets que quand quelqu'un aborde même, il faut ignorer. Parce que quelqu'un qui aime sa mère, qui aime son père... Non, mais Miladère, nous, on ne veut plus de ça. Il y a des soeurs qui... Quelqu'un qui aime sa mère, qui aime son père, qui aime ses frères, ne peut pas se permettre d'insulter quelqu'un d'autre en utilisant sa mère comme point de... C'est-à-dire comme une faiblesse. C'est bête. Parce qu'il n'y a aucune maman qui décide de porter un enfant 9 mois, d'aller accoucher, d'élever jusqu'à l'âge de pasteur et elle déteste cet enfant ou bien elle a un problème avec cet enfant. C'est impossible. Vous me comprenez? Donc, pour moi, ce qui se passe sur Facebook, c'est que ces gens disent sur Facebook, pour moi, je considère ça comme des balivènes. Parce que c'est des choses inutiles. C'est juste des choses que les gens... C'est-à-dire que des gens qui se disent intelligents et ils viennent parler. Et pour moi, le game de Facebook a pris une ampleur où vraiment, c'est-à-dire, beaucoup de gens ne savent même plus ce qu'on appelle le game. Les gens croient que le game, c'est-à-dire, c'est aller insulter les mamans des gens. Vous n'allez jamais insulter une maman au point où elle va détester son fils ou bien le fils va détester sa mère. Pour moi, le game des mamans, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que la mère de pasteur va toujours soutenir pasteur et vice-versa. Donc, ceux qui croient qu'ils vont utiliser la mère de pasteur comme appât pour insulter pasteur, ils perdent leur temps.
Ils perdent leur temps. Milliardaire, ton raisonnement est logique. Moi, je l'entends bien. Attends un peu, je dis... Milliardaire change à deux. Enfin, il change de bouche. Pourquoi est-ce ton raisonnement est logique, mais le problème, c'est que moi, je pars dans la logique. Ce n'est pas par rapport à Passo, c'est par rapport aux followers. À un moment, quand vous avez des followers, il faut les respecter. Non. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une crédibilité. Parce que les followers de Facebook, si tu es ancien sur Facebook, gars, les choses de Facebook, les gens tirent avec les balles. C'est-à-dire que les gens tirent sur Facebook sans se contrôler. Tu comprends? Oui, mais nous, on part et puis on revient, on trouve qu'il y a la guerre mondiale. On ne comprend pas. Milliardaire, moi, j'ai décidé, j'espère que bien, tu as intervenu dans ce direct-là en fin d'année. OK? Mm-hmm. Il y a eu des discours, tu comprends? Mm-hmm. Voilà, des sœurs qui disent que oui, elles veulent entreprendre des choses. N'est-ce pas? C'est moi qui ai ramené le franc-pounement, non? Oui. Voilà. Moi, donc, alors qui ramène le franc-pounement, il dit, bon, maintenant, une sœur qui veut s'en sortir, tu comprends? L'église, hein, va, oye, 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 oye. Est-ce que tu comprends un peu? Mm-hmm. Bon, dis-moi un peu. Avec comment on appelle ça là, les équipes qui se forment et tout, moi, il faut que le comportement là se termine. Parce que. Pastor, je te pose une question. Non. Je dis, milliardaire, tu as raison. Je dis toujours, tu as raison. Tu comprends? Mais il faut que ça s'arrête. Tu sais que bien, des personnes ont été salies ici. Il y a peut-être que des gens qui sont ancrés dans la dépression, ceux qui ont cœur de poulet, tu comprends? Mm-hmm. Avec sa honte. C'est-à-dire, imagine, voilà Aurore Angoula. Elle est où? Pourquoi non. Je n'en veux pas Aurore Angoula? Non, parce que la question, justement, c'est pour dire ce que tu dis tous les jours. C'est Pasto, c'est toi qui avais créé le nom de cœur de poulet, non? Oui, mais le problème, c'est que quoi? Attends, Pasto, c'était parce que tu as constaté qu'il y a des gens sur Facebook qui ne supportent pas les injures. Non. Est-ce qu'elle me met support? Donc, tu crois que quand vous êtes là-bas, là, elle vous dit que oui, hein? J'ai déjà tout fait pour que Dokoma Mugu laisse. Hein? Elle vous dit que oui. Hein? Est-ce que je vous ai dit que Dokoma Mugu, c'est une mauvaise personne? C'est quelqu'un qui est en bon fond. Hein? Voilà. Dites-moi un peu, pourquoi vous ne lui posez pas des questions? Hein? Tu as procédé comment pour dire Dokoma Mugu d'arrêter? D'arrêter même quoi? J'ai quel problème avec elle? Moi, je prends tout ce que tu dis ici, Pasto. C'est toi qui dis souvent que ces femmes ne connaissent même pas ce qu'elles valent. Ces femmes, beaucoup d'entre elles ont les cœurs de poulet parce qu'elles croient que c'est en insultant les mamans, les papas, des gens qu'elles ont gagné. Mais milliardaire, oui, ma réponse, c'est quoi? Excusez-moi, les gars. Quand je mets les cheveux, je peux intervenir. Hier, je pars au petit port de pêche. Oui. Tu comprends? Tellement j'ai fait mal à ma maman, je pars au petit port de pêche, je prends un poisson à 50 balles, je passe chez maman devant vous. Ça, on appelle ça du conto. Est-ce que tu comprends? Uh-huh. Mais j'ai pitié d'elle, j'ai pitié. Non, mais c'est une vérité. Hein. Moi, je n'ai pas eu de soeur. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire, quand je dis souvent, je tiens des discours que là sur la toile, hein, je me considère comme le seul frère parmi mes soeurs, tu comprends? Me voilà donc alors, j'ai tenu des discours. Pasto, je te pose encore une question, Pasto. Milliardaire, s'il te plaît, permets-moi parce que je vais descendre. Okay. S'il te plaît, donne-moi une minute. Moi, je veux dire, Zuckerberg a créé Facebook pour un échange, pour une communication, pour garder le contact avec des gens qui sont loin, qu'on retrouve à gauche et à droite. Zuckerberg n'a pas créé Facebook pour venir insulter les mamans, les enfants, les langazoutes, les machins qu'on entend là. C'était pas le but. Et ce qui est venu déranger Facebook, c'est cette histoire de monétisation. Cette histoire de monétisation a tout gâté. Au niveau, moi je parle de on oublie Dieu Cyclone. C'est Dieu Cyclone qui était venu nous annoncer ça. C'est les ça qui est venu gâter Facebook. Quand Zuckerberg a mis la monétisation, les gens se sont jetés dedans et se sont permis de dire tout et n'importe quoi. Donc voilà ce qui se passe là aujourd'hui.
Et moi, en tant que follower, moi j'ai besoin de sortir de mon travail le soir. Je m'en vais écouter Pasto, je m'en vais écouter La Veuve Joyeuse, je m'en vais écouter Lolo Fondja, je m'en vais écouter ma chère. Est-ce que je tu comprends, milliardaire? Ça veut dire, pour essayer un peu de nettoyer sa situation journalière, il faut qu'il aille là où. Mais c'est comme ça, bon. C'est pour ça que je vous dis, il y a follower. Donc voilà, après son travail. Pasto, je veux le répondre. Pasto, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans que tu prônes ça. Ça a changé, Pasto. Toi, Pasto, quand tu étais même nommé... Attends, Pasto, quand tu t'es nommé le pasteur supérieur, c'est parce que tu critiquais tous ces comportements-là, vrai ou faux, Pasto? Mais oui, non, mais il y en a quand même qui ont changé. Tu ne vois pas que Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas décrire, mais Pasto, est-ce que les grosses têtes que tu as toujours indexées, quand tu dis que c'est vous qui faites Facebook, vous les femmes dans telle tête, c'est vous qui faites, vous devez changer. Combien d'elles ont y a changé, Pasto, parmi les têtes que tu cites souvent? Non, milliardaire, mais ça n'empêche qu'on continue le travail, milliardaire. Non, je ne dis pas que tu dois continuer, Pasto, tu dois continuer, mais à un moment donné, tu comprends, non, Pasto. Non, quand tu rends, j'ai toujours l'habitude de dire. Le noir comprend vite, là, tu as l'habitude de dire, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. J'avais compris qu'une fois, je suis arrivé ici en France. Tu comprends? Non. Parce que moi, j'explique toujours mes choses. Hein. Tu comprends? Ça veut dire, quand il dit souvent, le noir dit, comprend vite, tu comprends? Mais parfois, tu dis au noir que va là, quelqu'un, il va me parler au rabot. Tu as compris? Oui. Tu as compris, oui. Mais quand il sort là, hein, la première personne que ça voit, ça pose la question, c'est quoi le rabot? Tu comprends? Voilà. Vu que c'est les choses qui ça m'est arrivé ici. Quand je commence dans les grands déplacements, on me dit d'aller prendre un pied de biche. Hein? Moi, je sais qu'au Cameroun, c'est l'arrache-cou. Hein? Au lieu je dis qu'elle ne sait pas ce qu'on appelle pied de biche. Ça veut dire que je suis parti au magasin pour aller imaginer c'est quoi pied de biche. J'étais revenu là comme un voleur. Venu mentir que non, il n'y a pas pied de biche. Parce qu'en mentant, hein, le chef allait se déplacer et j'allais voir c'est quoi pied de biche. C'est ça. Hein? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir Marc. Il y a quelqu'un qui dit que quand on capture mes commentaires, je veux répondre à la question. Pasto, il y a quelqu'un, parce que la personne dit, parce que j'avais dit que Patricia, mais c'est une folle. Je veux répéter encore ça ici, là. Et elle va écouter parce qu'elle sait ce que je dis. J'ai dit que Patricia, mais c'est une folle dans le cadre où, dans toute famille, il y a des filles, il y a des gens qui ne se contrôlent pas, qui commencent à insulter les gens. Ils vont dans tous les sens. On les appelle souvent la folle de la famille. Patricia, mais. Quand elle veut insulter, elle va dans tous les sens. C'est des schizophrènes. Voilà. Donc, quand non, je veux pas, parce que vous, milliardaire, regarde, elle n'était pas comme ça avant. Quand elle s'exprimait, non, elle est venue prendre les jeunes de l'église, c'est-à-dire, vouloir même augmenter la vitesse de croisière. Regarde très bien, une femme, hein? Moi qui sais souvent le visage, on dit souvent, c'est elle-même, tu sais souvent, hein, parce qu'elle sait le visage, c'est le visage. Ça veut dire, depuis que j'ai commencé à dire qu'elle est venue prendre mes jeunes, elle a boit meilleur plus que moi. Vous voyez, de temps en temps, elle revient à la maison. Il faut les taper, c'est une bande de sorciers. Tu vois par exemple les interventions de Nadège Mbapa. Nadège Mbapa parle calmement. Elle est posée. Elle est posée, elle ne t'agite pas. Je hein. M'excuse, pardon. Nadège Mbapa, quand elle parle, que ce soit Nadège Mbapa, que ce soit Dorcas, c'est des gens qui te parlent, elle te tient un discours calmement, mais elle te framponne. Mais comment tu vas pas aimer écouter Nadège Mbapa? Moi-même, elle parle parfois. Calmement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir Matt. On laisse un peu Matt conjuguer parce que vous savez aussi que
Non, Matt, c'est l'autre diaconesse. La diaconesse prend la parole. Voilà. Oui. Bonsoir, Luc. Je montais surtout pour les paroles de Milliardaire. Bonsoir, Milliardaire. Ah, Matt, tu veux me pamponner pour quand j'ai encore dit que tout bien. Non, je veux seulement te pamponner, Milliardaire, parce que ici, Luc et notre soeur tout à l'heure ont parlé de valeurs et on parle des mamans. On parle des mamans. En fait, on peut même insulter une maman, mais inventer une telle atrocité sur une maman et son fils. Et que toi, tu viens nous dire qu'il ne faut pas souvent considérer cela, parce que parce qu'on souvent dit que ah, c'est les histoires de game. Non, on n'est plus dans le game. Oui, oui, non. À ce niveau, si ce n'est plus le game, milliardaire. Parce qu'elle répète les mêmes mots dans les directs. Et tu sais très bien que les directs sont enregistrés sur plusieurs plateformes. Ça peut ressortir des années après. Les petits-enfants de cette maman, les enfants de Pasteur vont écouter. Est-ce que tu penses qu'on doit laisser ce genre de choses sur les réseaux sociaux? J'ai dit en commentaire que les followers de cette personne sont à son image. Parce que moi, en tant que femme, j'ai été offusquée d'entendre cela. Je ne peux pas être sur sa page et l'écouter et encourager cela jamais. Tata Maa est ici, elle sait. Je lui ai dit, quand elle est classée souvent qu'elle a parlé du maman, je ne suis pas contente. Parce que nous sommes nous-mêmes les femmes. Et accepter ça, ce n'est pas bien. Accepter ça. Mais je tolérais encore pour Tatana parce qu'on avait touché sa maman. On l'avait touché, son enfant l'avait touché, on l'avait touché. Donc si elle répond, ce n'est pas trop grave. Mais ça me faisait mal de l'avoir parlé aussi. Mais il y a des gens qui sont des femmes. Et une femme, moi je ne vais pas parler de son état parce qu'elle crie sur tous les toits qu'elle est enceinte. Moi, je ne vois pas de grossesse. Elle a une grossesse psychologique. Elle doit avoir un problème psychologique. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ça. Je ne sais pas qui est enceinte chez elle, ou c'est elle, ou ce n'est pas elle. Mais une femme qui sort ce genre de choses de sa bouche. Et moi, je n'ai pas encore sorti ça de ma bouche. Ma mère est déjà morte. Ma mère est morte il y a 23 ans. Donc, moi, je peux sortir, c'est m'en fout. Cette femme qui parle là. Sa mère est encore en vie. Et quand elle parle, sa mère est dans la maison. Elle écoute. Nous sommes où? Quand elle parle, sa mère est là. Parce que la dernière, dernièrement, quand elle cachait Pasteur, où sa maman lui avait fait le mollet, sa maman était là. Elle écoutait les grossièretés. Vous venez sur la toile avec une carapace. Je suis un enfant de la barrière. J'ai grandi dans ceci, j'ai grandi dans cela. N'importe quoi. Un enfant qui a grandi dans ceci, dans cela, peut sortir ce genre de choses de ta bouche. Je vous dis souvent que là, quelqu'un peut sortir quelque chose de sa bouche, peut-être c'est ce que cette personne a vécu dans sa vie. Et il rejette cela, il met ça sur une autre personne. Moi, je lui dis que peut-être elle a vécu ce qu'elle dit, elle met sur les gens. Et elle n'est pas gênée de sortir cela. Elle a parlé de Tatana, de la petite fille, de la petite fille de Tatana, Momo Mami, qui est rentrée, un petit enfant, je ne sais même pas si l'enfant a déjà 2 ans ou 3 ans. Mais elle dit que Tatana va tirer les valises avec Momo Mami. Vous trouvez, et vous dites que non, il faut prendre ça. Non, on doit éradiquer ça. Les personnes comme ça ne doivent plus être sur la toile. Mais sauf que il y a des personnes, parce qu'ils sont dans le aide-moi détesté, qui sont sur sa page, ils l'encouragent, ils sont en train de mettre le cœur. Mais il y a des moi-même, j'étais fâché contre toi. Tu partais justifier quoi là-bas? Vous savez, quand quelqu'un, tu as posé la question à Pasteur que depuis qu'il mène la campagne, est-ce que les femmes ont changé? Elles ne changeront pas parce que. Quand elles sont en train de faire du sang et vous allez sur leur page, vous leur donnez encore la visibilité.
vous devez les laisser dans leur santé. Ne cherchez pas à vous justifier. Ne cherchez pas à poser des questions pourquoi tu as fait ça. Non. Mais combien de fois cette femme... vous m'avez reproché, j'ai compris, non. Voilà. Combien de fois elle est allée dans le direct pour commencer à justifier la bêtise? Parce qu'elle dit qu'elle est venue